Et voilà, nous sommes arrivés à l'hôtel-restaurant Les Lancaises. Donc voilà ce fameux retable de Thiézac tout à fait, enfin retable tout à fait magnifique, de 1600, qui a été édifié en 1663-1664 par Germain Quiron de Rodez. Voilà tout ce que je peux vous dire jusqu'à maintenant. Je rends l'antenne à vous les studios. Et voilà, nous sommes en présence de Jean Humbert. Eh bien, je vais bien. Il fait très beau à Thiézac, je suis content. Ce sont les vacances, voilà. Attachez vos ceintures. Eh bien, ça va pas vite, hein. Plus haut. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Oh, ça c'est une magnifique photo, hein. T'as vu, j'en ai dans le ciboulot, bien il y a rien, hein. Oui. J'ai commencé ma cigarette, on pourrait penser, on va mourir, on va mourir. En pleine forme. Là, celle-là, elle sera belle. Voilà, donc nous sommes arrivés à Thiézac, un beau petit village recroquevillé dans la nature. Je l'ai dit dans les vidéos précédentes. Et donc nous allons continuer ce chemin plein de péripéties, bien sûr. Nous allons voir ce qui va se passer aujourd'hui et dans les jours à venir à Thiézac. Voilà, donc... Je peux dire maintenant couper. À vous les studios. Ok. Et voilà. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, nous arrivons à la goutte. Voilà. Été 2024. Et nous arrivons à la goutte. Voilà donc. Été 2024 et nous sommes arrivés à un petit village nommé La Goutte. Bonjour messieurs dames, aujourd'hui il fera beau à Thiézac, il y a des êtres qui me disent,
et des nuages du genre lenticulaire. Je me demande, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est comme genre de nuages. Ça, c'est des cumulus, mais là-bas, c'est peut-être des nuages d'orage, je ne sais pas. Jean revient à la fontaine. C'est incroyable. Il va se saisir. Je vais boire de l'eau. Il va boire de l'eau. C'est incroyable. Nous sommes sur les lieux. Nous sommes sur les lieux. Voilà. Jean s'abreuve à la fontaine. Une fontaine miraculeuse. Voilà. À la goutte. Voilà. À la fontaine va apparaître Bernard bientôt. Il faut attendre un petit peu. Et là, vous voyez Bernard qui va s'abreuver à l'eau de source pure. Oui, une source pure de cette fontaine miraculeuse qui est la fontaine de la goutte. Vas-y, bois d'eau. Faut boire. Parce que chambre pas bien sûr on tombe, mais n'importe qui, évidemment. Oui, et bien voilà, maintenant qu'on a bu, ouais, nous allons continuer notre périple. Ouais, je vais continuer à boire. Et bien bois donc. Voilà, maintenant vous voyez que cet homme boit. Vous avez déjà vu un homme boire, je pense. Nous allons stopper là pour aujourd'hui. Je suis tout trempé maintenant. Voilà, il est trempé le pauvre. Voilà. Voilà, un dur est 130 euros. Et si j'ai pas l'indice, ça... Dis-le. Voilà, nous voyons des nuages. Qu'est-ce que c'est ces nuages? Ça annonce de quoi? Ça, c'est un secteur d'orage, je pense. Oui, t'es sûr d'orage? C'est Cyrus. Oui. Changement de temps, hein. Changement de temps? Ah, d'accord. Dans les prochaines heures. Et un changement de temps, comment? Orageux, je pense. Hein. Orangeux, t'en es sûr? Ah ben, je lui connais la météo, mais c'est la première fois que je vois des nuages comme ça, hein. Ah oui, d'accord. C'est une sorte d'orage violent, très violent même. Comment tu les trouves, ces nuages? Ça, c'est des nuages annonciateurs de changement radical de temps. Chapelle Notre-Dame de la Consolation. Voilà. Il va falloir monter. Les bords de plan, il n'y a pas de rien à trouver. Vas-y, tu vas y arriver. Je sais, il faut faire des efforts, mais c'est très dur, n'est-ce pas? Tu m'as doublé. Tu m'as doublé! Sur la hauteur de Thiézac, Notre-Dame de la Consolation.
une jolie chapelle. En plus, je joue le plus vite. Elle est pure. Voilà, je filme. Oui, mais il y a une belle luminosité là. Oui, parce que c'est le soir, bon, le crépuscule c'est dans 3 heures, c'est pas grave. Mais ce soir, la température va chuter, on est à la veille de connaître un week-end glacial. Vas-y. Ah, c'est agréable, c'est le lever du soleil. C'est aussi une belle journée, un beau dimanche dans le Cantal. À Tizac, plus exactement. C'est une agréable journée, non, aujourd'hui? Oui, ce sera le dimanche chaud et ensoleillé. Un peu de chaleur ne fera pas de mal. Il y a assez plus quelques années, un peu de sécheresse. Oui. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que il fait à la fois chaud et froid. Le micro-ondes. Oui. Et en tant que météorologue, qu'est-ce que tu en penses? Il fera 19 cet après-midi. Ou 18 ici. D'accord. Une petite cigarette ne fait pas de mal. Ça détend. Alors donc, Tizac, petit village agréable, donc nous sommes à combien de mètres? 800 mètres. 800 mètres, d'altitude. Oui. Ouais. Aujourd'hui, c'est magnifique, il fait un soleil resplendissant. Ah oui, drôlement. Et il fait à la fois chaud au soleil et froid, vraiment froid à l'ombre, tu as remarqué? J'ai remarqué, oui. Bon, ben, je pense que ça ira. Et voilà. Et bonne journée.
à vous, Cognacgé. Bonne journée à tous et à vous, les studios. À vous, Cognacgé, je rends les studios. Je rends quoi? Je rends les studios, c'est comme ça qu'on dit? Oui, non, c'est comme ça qu'on dit, oui. Je rends l'antenne. Ok. À vous, les studios. Alors là, c'est vraiment magnifique. Un portable, ça suffit. Après, tu les envoies qui tu veux, voilà. Tu trouves pas que c'est beau un cheval, Jean? Si, c'est beau un cheval. C'est gentil. C'est comme un lapin, c'est gentil. Joli édifice, je ne me souviens plus la date. En tout cas, c'est très ancien. C'est d'origine anglicane. Et voilà, nous sommes de retour de Tizac. Tizac, où nous avons fait un agréable voyage, un agréable séjour. Voilà. Et nous sommes de retour à Toulouse. Je rappelle, mesdames et messieurs, que c'est un agréable voyage que nous avons passé.